L'Alliance des démocrates patriotes pour une sortie de crise ADPS a présenté ce matin aux journalistes des propositions de sortie de crise. C'était au cours d'un point de presse. L'ADPS a annoncé également l'organisation prochaine d'une table ronde qui regroupera l'ensemble de la classe politique et de la société civile. Le compte-rendu de Ibrahima Traoré. L'Alliance des démocrates patriotes pour une sortie de crise explique aux journalistes sa position sur l'évolution de la situation au Mali. Concernant les concertations nationales, l'ADPS n'entend pas y participer. Elle propose l'organisation très prochainement d'une table ronde qui regroupera l'ensemble de la classe politique et de la société civile. Une rencontre qui, selon les organisateurs, devra élaborer un véritable manifeste national. L'ADPS demande aussi au gouvernement de soumettre rapidement au peuple malien sa feuille de route. Le gouvernement peut élaborer une feuille de route à soumettre au regroupement, aux sensibilités politiques, à la société civile. Nous allons faire nos appréciations là-dessus. Ensuite, ce document sera envoyé à l'Assemblée qui, après avoir apprécié, va approuver et le gouvernement travaillera à l'intérieur de cette feuille de route approuvée par l'Assemblée nationale. Au cours de ce point de presse, il s'est également agi de la situation particulière du nord du Mali. Pour une sortie de crise, l'ADPS dit être contre toute négociation avec le MNLA et Ansar Dine. Dans la foulée, elle souhaite l'organisation des élections seulement après la libération totale des régions occupées.